Je m'appelle Rima Naïm, je suis de Montréal, Québec. Je suis directrice sur le conseil d'administration de la Croix-Rouge depuis 2 ans et bénévole depuis 2005. Un souvenir de mon expérience bénévole que je garde beaucoup à cœur, c'est lors des feux de forêt à Latuc en 2009, où on a été chargé de transformer un aréna en centre d'hébergement. Et c'était vraiment magique de voir tous les intervenants, les gens de la communauté, la Croix-Rouge, les bénévoles, les employés municipaux, tout le monde a collaboré de façon très étroite pour s'assurer à l'intérieur de juste quelques heures, on pouvait recevoir des centaines de personnes. Mais de pouvoir aider des gens dans notre communauté, c'est une expérience très valorisante pour moi. Je dirais à quelqu'un qui est intéressé à faire du bénévolat avec la Croix-Rouge de se lancer dans ce défi. On est une grande organisation, une grande famille. Il y a toujours une place pour l'expertise que vous pouvez amener. Ça prend la force de tous et de chacun pour s'assurer qu'on peut continuer à bien mener notre mission. Des mots pour décrire la Croix-Rouge: humanité, compassion, passion, engagement, préparer à l'action. Ce sont les mots qui viennent à tête.